Bonjour à tous et me revoilà pour une nouvelle vidéo où je tenterai d'expliquer d'une manière assez concise ce qu'est le patriotisme social. Donc plus qu'une simple idéologie politique, le patriotisme social est une réelle question de survie, une réponse face au paradigme internationaliste imposé dans notre société moderniste. Internationalisme outrancier et déraisonné qui détruit les nations, détruit la famille pour en finalité détruire l'individu et n'en faire qu'un simple objet de consommation et outil de production. Le patriotisme en est le total opposé. Son étymologie vient d'ailleurs du mot pater, signifiant père, en latin. Quel est le rôle du père? Il est de fixer un cadre limitateur, de produire de la sécurité et du bien-être, et surtout de protéger. Le patriotisme social est donc protecteur de l'individu, fournissant à ce dernier un environnement cadré et sécurisant pour faciliter son épanouissement et son développement. Il est également le courage de l'enracinement dans un monde qui ne cesse de prôner le hors-sol. Il est donc l'autodétermination et la confiance, le peuple qui travaille par lui-même et pour lui-même, par amour de sa patrie, bien loin du concept de monde-village où se trouvent obligatoirement des dominants et des dominés, où l'économie apatride mondialiste étouffe les nations et les peuples, me fait le plaisir des minces mais larges oligarques qui n'ont de passion que le profit et le pouvoir. Le patriotisme social est donc une logique dans un monde vivant. Un arbre a besoin de racines pour évoluer, grandir et se sécuriser. L'homme a également besoin de s'enraciner pour les mêmes aspirations et pour contribuer à la grandeur de sa nation, qui est le prolongement de la famille. Un peuple qui travaille pour le bien d'autrui est un peuple esclave plongé en servitude. Or, un peuple qui travaille pour lui, pour sa famille, pour sa patrie et sa nation, est un peuple courageux, fier, heureux et respectable. Je définirai donc le patriotisme social en deux phases, tout simplement de la logique schématique et une question de survie. Je vous remercie pour l'attention portée. Bien à vous.